Tout d'abord les gars n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Donc voilà, pour suivre l'actualité, ça fera vraiment plaisir. Ajoutez-moi sur Snap. Et donc juste avant que la vidéo commence les gars, je vais vous faire gagner 3 énormes lots. Donc les deux premiers lots, ça sera deux énormes Xbox One S 9 Comme vous pouvez le voir, une avec Minecraft et une autre avec le dernier Assassin's Creed. Et donc euh, pour le troisième lot, ça sera une PS4 édition Grand Turismo Collector que je vous avais déjà présenté auparavant. Donc tout d'abord pour participer il faudra s'abonner c'est obligatoire si vous ne vous abonnez pas vous ne participerez pas et il faudra mettre un commentaire en rapport avec la vidéo et donc vous pouvez mettre plusieurs commentaires pour augmenter vos chances de gagner donc la PS4 je la ferai gagner à partir de mes 120 000 abonnés l'Xbox One donc la première avec Minecraft je la ferai gagner à partir de mes 135 000 abonnés et pour la deuxième Xbox One je la ferai gagner à partir de mes 150 000 abonnés et donc je vous souhaite bon à tous. Wesh l'équipe, c'est Murking, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars on se retrouve pour vous présenter un nouveau glitch pour avoir l'argent frisé, et acheter tout ce que vous voulez sur GTA 5 online gratuitement. Donc tout d'abord les gars n'hésitez pas à me laisser un énorme like pour un tel glitch. Voilà ils sont vraiment rares ces glitch. Et voilà. Lâchez-moi un pouce bleu, l'équipe, ça fera vraiment plaisir. Et en plus, il est super simple et de je vais essayer de vous l'expliquer avec la meilleure façon possible. Donc n'oubliez pas, le pouce bleu, l'équipe, ça fera vraiment plaisir. Donc tout d'abord les gars vous allez devoir vous rendre en mode histoire avec Franklin, Michael ou Trevor c'est pas important Mais il faudra se rendre en mode histoire pas en mode online en mode histoire Une fois que vous êtes en mode histoire vous allez vous rendre à côté d'une payote Je vais vous montrer la mienne où elle se situe Donc moi elle se situe ici à côté du Los Santos Custom si vous voulez rendez-vous à la même payote que moi Donc là vous vous rendez à côté d'une payote comme moi dans la vidéo Et une fois que vous êtes à côté de la payote donc il faudra faire le code de triche pour avoir les filets que je vous le mettrai dans la description pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, juste avant de faire le code de triche, vous allez devoir faire PS. Vous rentrez sur Activité juste en dessous GTA 5. Prendre un ami à vous au hasard et euh, vous allez cliquer dessus. Et une fois que vous aurez cliqué dessus, il faudra qu'il y ait bien écrit Lancer GTA Online. Donc, là, mon ami, comme vous pouvez le voir euh, sur son profil, il est écrit euh, Lancer GTA Online. Donc là une fois qu'il y a écrit lancer Jeter online vous allez faire deux fois ps et normalement quand vous cliquez à nouveau sur deux fois ps ça vous ramène directement sur lancer Jeter online et si ça fait ça c'est que c'est bon vous allez pouvoir commencer le glitch donc là lesquels vous allez faire euh, le code de triche pour avoir les flics donc vous allez faire ça jusqu'à que vous avez trois étoiles comme moi dans la vidéo et une fois que vous avez trois étoiles on va commencer le glitch donc là vous vous mettez sur la payote vous allez vous préparer à appuyer sur flèche de droite et en fait vous allez appuyer sur flèche de droite dès que vous recevez une balle dès que vous voyez que vous vous avez reçu une balle vous, vous appuyez sur flèche de, de droite en fait, dès que vous voyez que les flics ils sont assez proches de vous, vous pouvez cliquer sur flèche de droite. Voilà. Vous pas cliquer trop trop tôt l'équipe, mais voilà. Dès que vous voyez que les flics sont à côté de vous, vous appuyez sur flèche de droite. Après, votre personnage va se transformer euh, en animaux. Ça dépend. Ça, par exemple, moi il va se transformer, je crois, en cochon. Donc voilà. Donc là, une fois qu'il s'est transformé en chien, en cochon, en ce que vous voulez, c'est pas important. Vous allez devoir vous rendre près des flics et il faudra vraiment être attentif l'équipe euh, à partir de ce moment-là. Donc là vous vous rendez à côté des flics comme moi dans la vidéo et vous attendez bien qu'ils vous tuent. Donc voilà ils vont vous tuer ils vont vous tirer dessus là comme vous le voyez ils sont en train de me tirer dessus et vous allez attendre qu'ils vous tuent et une fois que vous êtes au sol vous allez faire deux fois PS vous allez faire X sur lancer GTA Online. Donc là je vous explique voilà tr c'est très simple et que vous allez comprendre trop trop simple. Là j'ai fait juste start pour que vous euh, pour que je puisse bien vous expliquer. Donc là, regardez, je fais rond, je m'en rends vers le flic, ils vont tous me tuer là, ils me tirent dessus, je vais mourir, voilà. Là, je vais mourir, je vais tomber au sol. Dès que je tombe au sol, deux fois PS. Bim, lancez GTA Online. Je reviens sur J'accepte ce, mes ce message. Après, ça va faire un écran blanc. Je vais faire un nouveau PS. Je vais me rendre sur Paramètres. Je vais me rendre sur Réseau. Je vais désactiver Internet et je refais un nouveau deux fois PS. Voilà. Une fois que vous aurez fait cela, vous attendez d'avoir ce message là. Vous le validez et vous allez refaire un nouveau deux fois PS et vous activez Internet. Je sais que j'étais un peu rapide, mais l'équipe, rien hein, que revenir en arrière, vous allez comprendre, c'est trop, trop simple. La vidéo, hein, j'ai réussi du premier coup, moi, je vous le dis, et je me suis jamais fait. C'est trop simple. Après, vous aurez cet écran blanc là et euh, à partir de ce moment-là vous allez comprendre c'est ultra simple donc là en fait vous êtes vous avez respawn avec Franklin mais vous ne le savez pas vous avez l'écran blanc qui ne vous le montre pas donc là je vais vous montrer une fois que vous allez cliquer sur start vous allez bien pouvoir voir que vous avez spawn avec Franklin voilà, comme vous pouvez voir, on peut voir que j'ai su avec Franklin. Donc là, les gars, allez sur paramètres, allez sur son et augmenter les effets sonores. Comme ça, au moins, vous allez entendre euh, Franklin quand il parlera et tout. Et là, vous allez attendre que la cinématique se termine. Voilà, moi, j'ai attendu vite fait que la cinématique se termine. C'est pour ça que j'ai passé un petit accéléré. Voilà. Vous entendez vite fait que la cinématique se termine. Une fois que la cinématique se termine, vous essayez de sortir dehors et en vous repérant avec start. Après, vous allez faire PS. Vous allez vous rendre à nouveau sur activité. Donc, vous descendez en dessous sur activité. Voilà. Et une fois que vous êtes sur l'activité, vous allez vous rendre sur une activité au hasard où vous cliquez dessus, voilà. Et euh, il faudra juste qu'il y ait écrit à nouveau lancer GTA Online. C'est tout, c'est simple équipe et il n'y a pas de difficulté. Vous rendez dessus, écrit lancer GTA Online et là vous faites deux fois PS. Voilà, vous allez faire deux fois PS. Une fois que vous aurez fait cela, vous allez devoir refaire le code de triche pour avoir les flics. Voilà. Là je suis en train de le faire euh, au moment où je vous parle. Je le fais. Là je fais RR. Je sais même plus c'est quoi le code. De toute façon vous le trouverez dans la description. Vous allez faire le code de triche pour avoir euh les flics et vous attendez bien euh, que les flics soient à côté de vous et qu'ils vous tirent dessus. Et qui vous tire dessus. Donc là pour ma part, là j'attendais que les flics qui me tirent dessus. Là euh, je, euh, ils me tiraient dessus. Une fois que vous êtes mort, pile au moment où vous êtes mort, vous allez faire deux fois PS. Et vous allez cliquer sur lancer GTA Online. Donc là comme vous pouvez le voir, je vous ai fait un énorme ralenti. Une fois que vous avez cliqué sur lancer GTA Online, vous spammez X. Donc après vous aurez euh, là je vous ai fait un accéléré. Vous aurez un écran assez bizarre avec euh, plein de couleurs. Ça sera vraiment bizarre l'équipe. Le chargement va durer euh, environ 2-3 minutes. Il sera un peu long mais pas trop. Ça va. Et après, vous allez spawn euh, en mode online avec Franklin normalement. Voilà, là vous attendez de respawn. Donc, là, l'équipe, comme vous pouvez le voir, j'ai spawn en mode online avec Franklin. Voilà, une fois que vous avez spawn en mode online avec Franklin, vous allez devoir vous rendre vers une autre payote comme moi dans la vidéo. Donc, faites attention, comme moi j'étais en session publique. Euh, faites attention à ne pas vous faire tuer l'équipe, sinon euh, ça va tout gâcher dans le glitch. Donc, voilà, ça c'est le seul problème quand vous êtes en, en session publique, c'est assez dangereux. Donc, c'est pour cela que vous allez prendre un véhicule de PNJ et vous rendre à une payote le plus vite possible. Donc voilà, vous voulez vite faire un petit véhicule de PNJ. Normalement, vous pouvez ni appeler de véhicule, vous pouvez rien faire. Il faudra voler un véhicule de PNJ, vous rendre euh, à une période. Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez prendre la même période que moi, mais euh, vous pouvez pas prendre deux fois la même période. C'est pour ça que je me rends à une autre période. Il euh, a que celle-ci que je connaissais avec cette du Los Santos Custom. C'est pour ça l'équipe, j'ai pas, euh, euh, pas pris une autre période. J'ai pas pris une période qui était plus proche car je, je connaisse pas les endroits. Après l'équipe, si vous voulez, prenez vraiment les mêmes périodes que moi. Faites tout comme moi dans la vidéo, comme ça moins c'est sûr vous allez réussir donc là, l'équipe, j'attends euh, bah, d'arriver jusqu'à la payotte. Hein, ça prend quelques temps. Et une fois que vous serez arrivé, vous allez comprendre, euh, jusqu'ici, euh, on a fait le plus difficile. Ici, c'est trop, trop simple. Il n'y a, a pas de difficulté du tout. Donc là, elle est, elle est ici, la payotte. Et là, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre sur la payotte. Vous allez faire flèche de droite. Vous attendez, allez, une dizaine ou une quinzaine de secondes. Euh, vous attendez quelques secondes. Hein, et on va dire une quinzaine de secondes. Et après, vous allez faire start en ligne et vous allez faire changer de personnage. Donc là, vous attendez, vous attendez tranquillement. Euh, il faut vraiment... Attendez bien l'équipe, comme ça au moins c'est sûr que vous allez réussir. Si vous faites trop rapide, ça ne va pas marcher, vous n'aurez pas l'argent freeze. Mais si vous faites bien comme moi, vous aurez l'argent freeze. Donc là, j'attends l'équipe tranquillement. Et une fois que j'ai fait ça, je fais start en ligne, changer euh, changer de personnage. Voilà, vous allez faire changer de personnage. Une fois que vous avez fait changer de personnage, ça va vous ramener euh, dans le menu des personnages. Et vous allez devoir choisir votre personnage principal avec euh, qui vous jouez tout le temps et tout. Celui euh, le principal, quoi. Vous allez devoir choisir celui-là et celui qui a le plus d'argent. Vous n'allez pas prendre votre personnage secondaire car si vous prenez votre personnage secondaire, ça va tout fail. Faut vraiment prendre celui euh, qui est le principal avec le personnage secondaire c'est pour ceux qui veulent euh, les appartements gratuits donc voilà prenez euh, la prenez le personnage euh, principal l'équipe voilà c'est important donc là l'équipe une fois que vous aurez pris le personnage principal il y aura un chargement vraiment long. Euh, je crois qu'il a duré euh, moi pour moi pour moi par 5 minutes. C'est pour ça que je vous, je vous l'ai mis en accéléré. Mais voilà l'équipe. Euh, si il est rapide pour vous, c'est que le glitch n'a pas très très bien marché. Après peut-être il a marché pour vous, je ne sais pas. Mais pour ma part, il a été long. Et euh, normalement, quand le chargement est vraiment long, c'est que c'est bon. C'est bon signe. L'équipe ça veut dire que vous avez réussi. Et là, vous allez attendre de respawn dans une session euh, publique. Voilà, moi comme vous pouvez le voir, là je vais respawn en session publique. Et là, directement, une fois que vous aurez spawn, je vais vous montrer comment savoir si vous avez l'argent freeze ou pas. Donc là, l'équipe, j'ai le petit chargement. Ça charge, ça charge. Comme vous pouvez le voir, il est assez long le, le chargement. Et là, c'est bon, je vais spawn. Et une fois que je suis en train de spawn, là, c'est bon. On a spawn. Je vais vous montrer comment savoir si vous avez l'argent freeze ou pas. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez faire euh, inventaire, vous allez vendre sur... Euh sur munitions, et une fois que vous êtes sur munitions, vous allez acheter des munitions au hasard. Et une fois que vous achetez les munitions, si votre argent ne bouge pas, c'est que vous avez l'argent frise. Si vous avez un débit d'argent, si, si votre argent descend, c'est que vous avez pas l'argent frise. Mais là, comme vous pouvez voir, pour ma part, j'ai l'argent frise. Là, c'est bon, je peux me rendre dans un dans comment ça s'appelle dans le QG là. Et une fois que je serai dans ma tour PDG, je pourrais aller sur les ordinateurs et acheter ce que je veux. Car on peut pas sortir notre téléphone équipe avec ce glitch. Pour ça, il faut bien se rendre dans. Euh, il il faut vraiment bien se rendre dans sa tour PDG. Voilà. Là, vous vous rendez dans la tour PDG, comme dans la vidéo. Vous allez faire flèche de droite sur une chaise, n'importe laquelle. Donc, moi, je me suis relevé comme un con. En fait, il faut faire flèche de droite et après appuyer sur X pour utiliser les ordinateurs. Et là, l'équipe, vous achetez ce que vous voulez, vous vous régalez. En fait, il faut juste avoir assez d'argent pour acheter les choses. C'est pour ça, l'équipe, si jamais vous êtes pauvre et vous avez, on va, on va dire, 100 000 dollars, vous achetez plusieurs véhicules à 100 000 dollars et après vous les revendez, ça va vous, vous faire de l'argent. Mais pour ma part, là, je voulais prendre soit là au soit la du lexo la, la nouvelle voiture donc j'ai préféré prendre des du lexo et les revendre par la suite donc là vous prenez les du lexo et vous les mettez euh, dans vos garages vous vous, vous régalez l'équipe hein. achetez tout ce que vous voulez mais après le problème l'équipe c'est juste pour les sauvegarder pour les sauvegarder euh, ça va prendre un petit peu de temps ça va prendre quand même du temps donc c'est pour ça si vous prenez beaucoup de véhicules ça va prendre beaucoup de temps pour les sauvegarder donc là l'équipe euh, je vais acheter euh, tous les véhicules voilà j'achète j'achète plein je, je vais remplir tout mon garage de du lexo voilà vous Remplissez vraiment tous vos garages, régalez-vous l'équipe. Franchement, achetez bien tout ce que vous voulez, car après vous allez regretter euh, si vous, vous allez vous dire Ouais, j'ai pas tout acheté. Même si vous avez des véhicules euh, que vous voulez pas, euh, remplacez-les par des nouveaux véhicules encore mieux qui vont se revendre beaucoup plus cher. Et ce qui est bien avec ce glitch, c'est que les Dulexo et tout cela, ça va vraiment se vendre cher. Je crois que la Dulexo, vous la revendez 2 millions et quelques. L'équipe, c'est vraiment très très cher et ça fait vraiment plaisir. C'est pas comme si vous achetez, euh, comment ça s'appelle C'est pas comme si ça se revendait euh, qu'au prix de sa customisation. Ça se revend au, vraiment au prix où que vous l'avez acheté. Donc ça va se revendre un peu moins. Ça va se revendre à 2 millions et quelques. Donc après, l'équipe vous régaler. Par exemple, vous pouvez acheter aussi la nouvelle voiture comme moi dans la vidéo. Là, je vais l'acheter. Voilà, vous achetez la nouvelle voiture. Après, euh, je sais pas moi. Moi, après, j'avais même plus d'idées. Mais après, j'ai pas voulu trop acheter de véhicule. Sinon, après, ça aurait été beaucoup trop long pour vous. Voilà, après, vous achetez ce que vous voulez. L'équipe, rien que régalez-vous avant que ça soit trop tard. Donc l'équipe une fois que vous aurez tout acheté Je vais vous expliquer comment enregistrer les véhicules Donc une fois que vous avez tout acheté Vous allez devoir euh, prendre un véhicule Et vous rendre dans le garage Où vous avez euh, vos véhicules Par exemple pour ma part je vais me rendre dans la villa C'est dans la villa où j'ai mis euh, mes véhicules Donc sortir en véhicule je vais sortir en, euh, Je vais sortir en hélico Comme ça ça va aller beaucoup plus vite voilà Vous sortez en hélico ou euh, vous descendez Et vous prenez un véhicule de PNJ Voilà et là une fois que vous êtes Sorti en véhicule vous allez devoir vous rendre jusqu'à votre garage où vous avez ben, tous les véhicules que vous voulez sauvegarder. Donc là, je m'en rends à la village je saute. Voilà, je saute tranquillement, je descends parachute et je vais euh, vite fait voir les véhicules que j'ai commandé Voilà l'équipe, au voir les véhicules que j'ai commandé Donc là, il y en a une caspone, une caspone, une autre caspone. Vous allez la prendre, vous prenez la première par exemple comme moi dans la vidéo. Donc là, l'équipe, euh, j'ai un. Peu Petit peu fait n'importe quoi dans la vidéo c'est juste parce que j'avais euh, les flics donc voilà parce que j'avais les flics j'ai dû reculer pour qu'ils ne m'attrapent pas et je voulais pas qu'ils m'attrapent euh, mais je sais même pas pourquoi les flics ils font vraiment chier ils ont dû prendre ils ont pris énormément de temps avant de, de me lâcher donc voilà. Donc, une fois que, voilà, les flics sont partis, vous allez devoir détruire votre véhicule. Par exemple, moi, j'ai jeté une grenade à côté et je suis rentré. Voilà. Vous détruisez votre véhicule. Voilà. Et après, vous récupérez un autre véhicule, vous le détruisez. Et vous récupérez un autre véhicule, vous le détruisez. Et en fait, vous détruisez tous les véhicules que vous voulez sauvegarder. Et une fois que vous, que vous avez quitté tout le, le mode online, vous redémarrez GTA. Et une fois que vous redémarrez GTA, vous allez faire L1 et R1 pour que ça vous fasse pas bugger le mode online. Euh, en redémarrant GTA, vous allez faire L1 et R1. Une fois que vous aurez fait cela et eh bien vous allez pouvoir aller en ligne et appeler la mutuelle morse et récupérer tous vos véhicules l'équipe Donc voilà franchement il n'y a pas de difficulté à regarder je sors le véhicule Là je l'ai détruit voilà une fois que j'ai détruit tous les véhicules, par exemple vous, vous avez détruit tous les véhicules de vos garages, c'est bon, vous n'avez plus aucun véhicule à détruire. Je vais vous expliquer ce que vous devez faire. Vous allez devoir fermer l'application. Une fois que vous avez fermé l'application, vous redémarrez GTA et vous allez spammer L1 et R1 jusqu'à ce que vous avez le message pour la luminosité. Après, vous allez régler la luminosité. Ça va vous ramener automatiquement en mode histoire. Vous attendez d'être en mode histoire, vous allez faire start en ligne, session sur invitation, vous allez en session sur invitation. Et une fois que vous êtes en session sur invitation, vous allez juste appeler la mutuelle Morse et vous aurez, euh, ben vous aurez vos véhicules qui seront à la mutuelle et vous pourrez les récupérer et vous pourrez, vous pourrez leur vendre et vous faire énormément d'argent. Donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager un maximum avant que ça soit patché. À vous abonner à la chaîne YouTube franchement ça fait vraiment plaisir. J'espère que ce glitch vous aura plu même s'il a été assez long. Moi l'équipe j'ai pas fait la dernière étape car je voulais récupérer le maximum de véhicules. Donc voilà mais sinon je voulais expliquer. Mais euh, moi je l'ai pas, pas fermé l'application et tout ça car je voulais remplir tous mes garages. Bref l'équipe n'hésitez pas les laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'était Mohikin et ciao tout le monde.